Salut tout le monde, c'est Cyclone. Aujourd'hui, on se retrouve pour un troisième épisode de This War of Mine. Dernier épisode, on était allés aider avec Pavel des pauvres gens. Donc, on est parti, on est juste parti piller. Je sais que j'ai fermé l'épisode assez rapidement hier. Mais bon, on était rendu pas mal trop loin dans l'épisode. Je prends juste des sacs complets. Hop. Je vais peut-être prendre direct ceux qui sont là. Oh, je peux. Allez, un autre. Et voilà. Normalement, il n'y a personne. Mais bon, comme on a vu tantôt, il y avait quand même quelqu'un. Ici, il y avait de la bouffe. Mais je pense que j'ai tout pillé. Il devrait rien y avoir de spécial ici, normalement. Ah oui, il y a encore de la bouffe. Non, la bouffe c'est pas ce qui me manque. Ben, c'est vrai qu'on a pris toutes les conserves, mais je pense qu'on peut faire encore quelques plats. Je pense qu'on peut y avoir au moins une personne qui bouffe pas. Bon, c'est sûr que si déjà Pavel il revient pas, le sucre on a trop, on n'a pas besoin. Peut-être que plus tard on en aura besoin, mais pas maintenant. Je pourrais venir creuser ici, mais bon, c'est pas très intéressant. Ça prendrait trop de temps. Je pense que je reviendrai avec une pelle pour aller checker. J'imagine les armes sont dans ce coin-là. Allez, les matériaux. Et le reste, je vais prendre des matériaux normaux. Hop. Hop, ici. Fais attention au feu, brûle-toi pas. Ça, c'est une souris. En tout cas, je l'espère. Voilà. Courir vers la sortie. C'est bon. Donc, j'espère qu'il sera de retour, notre cher Pavel. La souris qui nous suit. Genre, get out of my house. Allez. Oh, bien sûr, le jeu ne répond pas. Jour 5. On est barricadé, donc ça se peut que ce soit calme. Pavel est de retour, c'est bon. Parfait, j'ai des matériaux. Pavel est revenu après avoir tiré des personnes hors des décombres de l'immeuble éphéré. Tout est probablement une bio. Tous ces bombardements, les tireurs d'élite et le manque de provisions donnent envie de se cacher, de s'asseoir et de pleurer. Mais nous ne pouvons pas les laisser nous briser de la sorte. Nous devons leur montrer qu'ils nous prennent, qu'ils nous prendront jamais notre dignité. La vie est difficile ici, mais vous savez ce que nous avons fait dans nos rues, dans notre rue. Pauvre homme, si je pouvais économiser la nourriture, je le ferais moi, mais je dois penser aux autres. C'est bon. Enfin, ok. Déjà, toi, tu as faim, mais tu vas venir nous cuire quelques trucs. Toi, tu vas venir dormir puisque tu es de bonne humeur, ok. Puisque tu es de bonne humeur, tu vas aller dormir. Sois de mauvaise humeur. Et toi, tu viens voir si tu es capable de nous. Toi déjà, tu es capable de nous faire, t'es capable de nous faire un gros repas comme ça. Il nous faut deux combustibles puis un plat normal, on serait capable. J'imagine que oui. Donc, tu vas nous faire deux comme ça, fabriquer. Toi, Pavel. Enfin, j'ai fait trop de nuit blanche. Je m'étais même besoin de repos. Okay. Non, pas quitter. C'est pas quitter. Oui, quitter. C'est ça qu'on veut. Nous, qu'est-ce qu'on voulait, c'était. C'était ça, on n'a toujours pas assez de matériaux. On peut se faire une cage. Une cage, ça peut être pas pire. Une radio. Non. On peut se faire un lit. Non, juste une cage pour l'instant. Ça va nous faire un peu de bouffe fabriquée. Mais nous, en bas ici. Hop là, voyons. Viens.
là. Et elles mettent en bas où tout est dégueulasse. toi t'as faim. Toi t'as faim. Je pense que l'important c'est... Ah toi t'as... Je vais juste faire de la bouffe. Bien. Fait. Fabrique. Donc il ne restera plus de... De végétaux. Mais bon, on a toujours pas pris assez de matériaux. Peut-être une autre nuit comme ça, ça va être bon. Mais bon, on a quand même besoin de nourriture. Hop. Tu manges. Et 18, c'est correct, c'est bon. Mais on va pas faire d'autres barricades. Qu'est-ce qu'on ferait d'autre? Ben viens écouter la radio. On aurait pu... Oh, je pense... Je sais pas si on laisse la musique classique. Hop. Qu'est-ce qu'on met? Ah ok, on peut mettre des aliments crus. Ça va nous donner 2. Ok. Donc si... Ben je sais pas si c'est risqué. On a-tu besoin d'autres? On va pas, peut-être pas les mettre tout de suite. Hop, qu'est-ce qu'il y a ici? Le prochain jour devrait être agréable et doux. Une belle journée pour une balade dans un parc. Hop, musique classique. La plupart des animaux ont déserté les rues. Gardez ceci à l'esprit quand vous achèterez de la viande auprès des sources douteuses. Ok, ça veut dire qu'il est suspect qu'il allait chercher des animaux. Non. Là, là. Pénurie extrême. Ok, donc on va remettre la musique classique. Bon, on va pas parler d'animaux. Voilà, musique classique. Je sais pas si ça fait quelque chose. Ok, Pavel. T'as Bruno. Tu vas venir. Ouais, c'est pas... Tu peux pas venir voir si on a besoin. Waouh, je pense qu'on va le faire. On va le faire, on a besoin de bouffe. Vas-y, fabriquer. Pavel, tu vas venir te serrer en haut là. Et après, toi, tu vas venir creuser. C'est difficile de travailler sans se reposer, ouais. Bon, il attend. On a-tu besoin d'eau encore? Nos affaires. Oui, on aurait besoin d'eau. Donc, tais-toi, tu vas venir fabriquer quelque chose ici. Ou attends, viens, viens ici. Je sais pas si tu peux fabriquer à partir de direct là. Non, c'est pas toi que je veux. Reviens ici, reviens ici. Reviens en bas ici. Merci. C'est Bruno que je veux. Merci, Bruno. Viens ici. C'est vrai qu'il court moins vite. Hein. Ok. Donc, viens en bas ici. Et viens nous faire quelque chose. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a ici. Dans cette armoire. Qu'est-ce que précis de temps à faire. Je mangerai bien quelque chose. Oui, je sais. Mais c'est pas toi qui vas manger. Ouais, tu iras te reposer après. Viens nous faire... Juste un, ça va être correct. Pavel, viens voir qu'est-ce qu'il y a ici. Ça leur prend 10 minutes de faire 2 pas. Oh, t'es sérieux? Tout ça pour ça? Il nous faudrait faire... Est-ce qu'on peut se faire des... Hop, regarde. Est-ce qu'on peut se faire de quoi? Non, on peut rien faire. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres tables qu'il faut... Pourquoi c'est de faire ça? Atelier de métallurgie. Bon, on va se faire ça. Juste à côté. Puisqu'on a besoin de quoi enlever ses rures. Toi, tu vas venir dormir en haut puisque je pense que Katia est correcte. Ouais. Tu vas venir manger, Katia. Et Pavel, tu viens dormir. Voilà, tu peux courir, ça te tente. Tu vas pas mal dormir jusqu'à la fin de la journée. Ok, et Bruno, regarde ce que tu peux faire ici. Ah, tu vois,
Un pied de biche. Ah, oh, ça doit être pour ouais, rentrer dans les maisons. Ça peut être important. Crochetage, ça va être assez important aussi. Et une pelle, ça va être important. Ouh, des armes. Parfait. Donc, on pourra se faire des couteaux. Probablement qu'il faudra améliorer ça pour se faire des fusils. Toi, je pense que tu vas dormir et toi, tu vas monter à la garde. On va s'en sortir. Continue d'être optimiste comme ça. C'est bon. Je pense qu'on va faire la nuit, puis après on va s'arrêter. Mais d'après moi, on va faire des demi-journées. Ben, des un jour et demi. Ça fait des épisodes de 30 minutes à peu près. Toi, on était allé checker la radio, je pense, ouais. Oui, c'est ça que je veux que tu fasses. J'ai une sacrée migraine. Je sais pas s'il faut utiliser les médicaments directs dessus. On a deux médicaments. C'est sûr qu'on peut essayer de faire piller. Je pense qu'elle peut en prendre un. Elle a pas besoin d'un bandage. Bandage, c'est plus pour Bruno. On en a deux. Ok, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était rentré. Parce que normalement, on pourrait se faire attaquer pendant la journée, là. C'est bien, continuons comme ça. Hop. C'est bon, lui, il prépare l'eau. Et on va... J'espère que ça m'aidera. Sous médicament, parfait. Viens regarder qu'est-ce qu'on aura de besoin. On a encore besoin beaucoup de bois et de matériaux pour se faire des végétaux. Avec des bois et des végétaux, ça devrait être bon. Mais on a besoin de bouffe, on n'a plus de bouffe. On n'a plus de bouffe et ça, on va avoir ça, mais bon. C'est ça, il ne reste plus grand-chose. C'est ça que je vais faire. Il nous faut 30 de chaque et deux pièces mécaniques qu'on a pu. Une guitare, ce serait le fun à faire, mais bon. Je pense que j'échangerai pas ça pour ça. Mais toi, ça. J'ai plus grand chose à faire vraiment. Il y a plus de trucs à creuser ou. Ma maison est toute explorée. Donc, oui, il nous faut encore énormément de trucs. Énormément de trucs. Métallurgie, ça peut être... non, viens voir. Viens voir qu'est-ce qu'il nous faut pour faire des lockpicks. Une chevelle, ça peut être important. Au moins, il fait chaud. Et oui, il fait 18. Mais bientôt, l'hiver arrivera. Il nous reste une heure avant qu'on aille pied. Si j'ai dit Katia irait... Ok, donc il nous faut soit des matériaux... ouais, je pense que les matériaux et les pièces mécaniques vont être importantes. Ouais. Une pelle, c'est pas important. Puis, ben, des pièces d'armes, mais bon. Ça, on n'en trouvera pas tant qu'on n'aura pas de pelle, je pense. Ouais, je pense qu'on va... Toi, tu veux monter à la garde encore. Ou toi, tu veux dormir, toi, tu veux monter à la garde. Et toi, tu vas aller piller. Je pense que lui, va tout le temps rester ici. Ok, donc, tu vas partir, tu vas dormir, tu vas monter la garde. Est-ce qu'on a une nouvelle place? Non. Il nous faut une place où ici, il y a juste quelques nourritures. Beaucoup de nourriture, mais prudence, recommandée. Ici, il y a beaucoup de nourriture. On n'a jamais été, hein. Ben, quand c'est énorme de médicaments, c'est bon. Partir collectionner. Je pense qu'on va y aller là. Je vais pas prendre danger surtout avec elle. Elle, je sais que ça va être assez important pour plus tard dans le jeu. Ok, c'est rendu le jour ou quoi? On n'entend pas de pas, c'est parfait. Pas grand chose ici. On dirait qu'on tombe mieux. Rien ici. C'est des petites affaires, c'est pas des coffres. On prend tout pour l'instant. C'est sûr qu'on va se remplir plus tard. La guerre, nous avons vécu une guerre. Merde. On va rester discret. Oh, comment vous avez fait pour rentrer?
Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais voir si je peux lui parler. Ma femme est malade et je n'ai pas d'état de recevoir des visiteurs. Merde, j'ai pas de médicaments pour elle. Mais j'ai besoin de pied. Bon, ben, viens-t'en ici. Qu'est-ce que tu vas faire, le vieux? J'ai bien peur que nous ne puissions rien faire pour vous. Que se passe-t-il? Putain, mais je peux pas partir, genre. Viens en courant en arrière ici. C'est verrouillé, merde. Que cherchez-vous? Je cherche de la bouffe. Je peux pas piller quelque chose parce que là, hein, je ne comprends pas. Où est mon mari? Il est-il, votre mari? Il reste ici, j'ai compris. J'ai entendu dire que c'est innocent de ne pas sortir. Ah. Je me battis contre le petit vieux. Ah, non, je veux pas frapper sur des vieux, je me sentirais mal. Mais je veux pas partir, je peux pas partir comme ça. Il m'a pas vu. La porte est reverrouillée. Arrête ça tout de suite. Des bandits. Bon, ben parfait. Ils me laissent tout seul. Je vais pas les attaquer. Juste toutes leur piller. C'est dommage, mais bon. Il va être content, j'ai trouvé du tabac. Ça me fait un peu chier de leur voler leur affaire, mais bon. Je n'ai pas le choix. Je pouvais pas passer ici. Je pense que je leur ai laissé quand même des trucs. Ça, je n'ai pas besoin. Ça, je n'ai besoin. Je leur laisse ça quand même. De l'eau, j'en ai pas nécessairement besoin. Je vais leur laisser. Il y avait pas mal de nourriture, hein. Ils étaient posés, les gars. On va descendre en bas. On peut leur déranger en haut. La porte ici est-elle verrouillée? Oui, il fait juste ouvrir la porte. Porte verrouillée, bon, on va monter en haut. Bon, elle se sentira peut-être plus de bonne humeur d'avoir volé les petits vieux, mais. Des personnes âgées. Mais j'ai besoin de ces pièces-là, c'est assez important. Du tabac, j'en ai besoin. Et partir en courant. Je vous laisse le reste. Ça me fait chier d'avoir pillé des vieux, mais bon. J'aurais laissé de quoi survivre. C'est sûr qu'ils partiront pas. Peut-être que je ramènerai des médicaments pour aller aider la vieille. Mais bon, ils voulaient pas marchander, là. Ils voulaient juste qu'on les laisse tranquilles. Une chance qu'il n'y avait pas d'armes parce que ça aurait pu mal aller. Mais bon, je pense que ça va être tout. Ouais, on va pas se sentir bien, elle. Nous avons été pillés, qu'est-ce que. Semble au bout du rouleau. Ok. Ça ne va pas très bien, mais bon, ça va faire tout pour cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé. Quelqu'un essaie de nous voler, mais bon, on était correct. Malheureusement, c'est vieux. Ces personnes âgées. On a été pillés. Je leur ai volé de la nourriture parce que j'en avais besoin. Ça c'était assez important. Déjà c'était pourri, donc je pense pas qu'ils n'avaient nécessairement besoin. Mais c'est plus pour les animaux en bas. J'ai volé des médicaments, j'aurais peut-être dû en laisser. Je n'avais pas nécessairement besoin. C'est plutôt des bandages que j'avais besoin, mais c'est un excellent produit d'échange.
Là, on a de quoi se faire du tabac, donc ça va nous peut-être remonter le moral de certaines personnes. Si, personnellement, si j'aurais été caché, je l'aurais pas dit à personne que j'aurais volé ces vieux-là. J'aurais juste dit à personne, puis tout ça. Comme ça n'affecte pas le moral de tout le monde. Mais bon, c'est ça. Donc, j'espère que vous aimez cette vidéo. Malheureusement, à la fin, j'ai peut-être pillé un peu trop. C'est vrai, c'était pas nécessairement ça que j'avais besoin. C'était ça principalement, donc là on a pas de matériaux qu'on voulait vraiment. Autant de matériaux. Mais c'est pas grave. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour savoir quand les prochaines vidéos vont sortir. Et pour l'instant, je vous dis à la prochaine.